Salut, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une recette de fricassé de poulet à la moutarde. Nous avons un poulet d'environ 3,5 kg. Nous avons découpé en morceaux comme vous voyez là. Les cuisses en 3. Nous avons pris soin de l'eau lavée avec un peu de vinaigre et du sel pour avoir cette couleur blanche et chasser l'odeur. Vous savez, les aliments avec lesquels on élève les poulets ont une odeur très forte. Et généralement, quand vous voulez avoir un poulet très succulent, il est conseillé et préférable soit d'utiliser du sel et du citron ou du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc lorsque vous voulez nettoyer le poulet après avoir déplumé le poulet. Vous avez flambé si vous voulez ou pas. Vous versez même 3 cuillères à soupe de vinaigre en fonction de la quantité, bien sûr. Soit une cuillère à soupe, soit 2-3, voire. Vous laissez avec du sel, vous laissez 3 minutes. Puis vous allez voir comment le poulet va mousser. Une mousse blanche va sortir. Vous rincez votre poulet maintenant avec de l'eau propre au moins 2 fois et vous obtenez ce résultat. Nous aurons besoin d'un oignon finement découpé, de 2 tomates, de notre épice secrète pour assaisonner notre poulet et notre sauce, un peu d'ail, de gingembre, nos condiments verts, poireaux, poivrons, persil, céleri, découpé, congelé, et 2 cuillères à soupe de moutarde, ainsi qu'un demi-verre de bière. Utilisez la bière de votre choix, mais généralement les bières blondes sont plus conseillées. Vu que c'est une sauce à la moutarde, évitez de mettre trop de sel, sinon vous aurez une sauce hyper salée. Ajoutons notre épice secrète à notre poulet. Si c'est ta première fois sur notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos, de liker et de partager. Vérifiez l'assaisonnement de votre poulet. Vous l'avez lavé avec un peu de sel et du vinaigre, donc évitez de mettre trop de sel. Comme je disais tantôt, c'est parfait là. L'assaisonnement est bon. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons frire notre poulet. C'est parti. Notre huile a chauffé. On va frire. Nous pouvons retirer notre poulet lorsqu'il est comme ceci. Nous allons mettre un peu d'huile dans notre marmite. Environ l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Maximum 3 cuillères à soupe d'huile. Donc, nous allons. Laissez blanchir vos oignons quelques minutes. Nous pouvons maintenant ajouter nos tomates.
ainsi que nos condiments verts hachés. Ouvrir quelques minutes. Nous allons ajouter nos fricassés de poulet. Mélanger. Ajouter aussi notre ail, un piment rouge et gingembre haché et pardon, écrasé. Nous allons encore mélanger. Pour ceux qui ne consomment pas de piment, ne mettez pas. Nous allons accompagner ce poulet à la moutarde avec des fruits de pomme congelés. Je vous avais fait une vidéo sur comment conserver nos pommes pour pouvoir les frire lorsque l'envie nous prend. Aujourd'hui, nous allons accompagner notre poulet et nos fruits de pomme que nous avons dans le congélateur. Voilà. C'est que vous apprenez déjà. Mais vous allez laisser ainsi quelques minutes. Vous constatez qu'il n'y a pas d'huile. Mais si vous aimez l'huile dans votre alimentation, vous pouvez ajouter un peu. Mais pour moi, c'est bon. Parce que la moutarde, avec la moutarde, le jus est parfait pour accompagner nos fruits de pomme. Un riz vapeur, des plantains frais, même des plantains vapeur. Ça se mange avec tout, en fait. Même des ignames blanches. Il n'y a pas de souci. Et on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'huile. 3 cuillères à soupe d'huile pour un poulet pareil, je pense que c'est très suffisant. Évitons de consommer beaucoup d'huile. On dit que ce n'est pas bon pour la santé. Nous allons d'abord couvrir notre poulet, laisser mijoter 3 minutes avant d'ajouter notre bière. Après sensiblement 5 minutes, nous allons ajouter notre bière dans notre poulet. Je vous ai parlé d'un demi-verre de bière. Et c'est maintenant que nous allons faire intervenir notre moutarde. Mais rassurez-vous de n'avoir pas trop salé votre poulet. Sinon, je vous conseille de réduire la quantité de moutarde. Nous allons mettre sensiblement 2 cuillères à soupe de moutarde. Mélanger. Mélangez bien. Vous obtenez une jolie sauce. Vous pouvez soutenir notre chaîne en vous abonnant, en likant et en partageant afin que nous puissions continuer à vous produire des vidéos sur des recettes encore plus savoureuses qui s'accompagnent parfaitement avec des fruits de pomme. Le riz vapeur et les plantes. Hein. Vérifiez votre assaisonnement et vous allez laisser la bière et la moutarde frémir 10 minutes à feu très doux. C'est bon. L'assaisonnement est parfait. Nous allons couvrir et laisser cuire. Pour que la moutarde puisse pénétrer l'intérieur de la chair de notre poulet et la rendre plus succulente,
votre sauce est prête. Pour nos fruits de pomme, nous avons mis l'huile à chauffer. Nous allons verser les pommes. Les pommes sont congelées. Ça, c'est pas tout un peu. Notre repas est servi. C'est pas facile d'attendre que un repas vite fait. Très facile pour un dîner rapide. J'espère que vous avez aimé la recette. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. Merci.